sengo mingi bandeko et sengo mingi bozana bino bo comprendre le lot cadre toi ko sala papa Lucinde courant électrique et comme loko moko ya passi na République démocratique du Congo ko abanzela. Donc on a l'impression que République démocratique du Congo est à ko s'enfoncer kaka est à ko s'enfoncer kaka. Ceux qui bato balanda nga la ba réseaux sociaux le lot na publié photo moko ya Dubaï en 1976 na RDC en 1970. Tozala ki musika ya Dubaï, mais lilo tala nenge tukoni. Est-ce que on a fait de la RDC un pays plus beau qu'avant? Tomi tu narabiso mugo. Na yambeli bino mwa na mboka Yves Bouya. Mutwa mayele bino mwa boyebi, mutwa bakable, na ye tuko sola na suru ya mboka. Papa Yves Bouya sengo mingi. Loko la ngape mama Paulette, mwa mikole bele, tu bunga na ki mwa muke, nazaki na mikili ya poto, la gagnante formation moro à réseautage à Média France Monde avec une structure française où il fallait former Bissot. Ils ont un siège à RFI TV5 pendant 2 semaines. La gagnante est Moïse Zouba. Mais à partir de Mikili Apoto, je suis venu à Makame Komelakio. Je suis venu à Vandaki, à réseau à formation de Mindele. Je comprends quitter Mindele Moko. À Sarah, na RFI, na desk Afrique, à bien que Madame Paulette qui m'a arrêté, qui m'a arrêté. J'ai dit, ah, Regina, mon dinga, moi, j'ai dit, oh, madame, vous connaissez, non, mais mon délire, vous connaissez Madame Paulette qui m'a oui, oui, Abid, ah, puis ma follower sur Twitter, parce que, bah, moi, pourquoi pas la desk Afrique, parce que Congo, na TV5, RFI, et bah, na desk, le narrament, que l'actualité du Congo. Il y a surtout plus, il y a Congo. Pour moi, on m'a focalisé donc sur le Congo parce que et comment pays morbosa manger belé autour de l'Afrique. Donc tous les mouvements politiques, activités, événements comme en Congo, RFI France 24 à la moindre seconde, à la seconde la plus près, bas en information. Et nous apprenons qu'à l'arrestation dans le siège il y a RFI, dans le siège il y a TV5. Ou bien délire bas tout ça, bah ouais que non, la journée c'est Paulette qui monte a été arrêtée. J'ai dit ah bon, tant que son côté sur qu'on a sur téléphone, on a mis qui a dit oui, heureusement vous avez dit c'était vraiment elle est vrai qu'on a été arrêtée. Alors, n'a posé à l'âme journaliste la question avant la compte en contact on a eu, mais oui mais comment soit quand même Paulette qui monte, ça veut expliquer que non réellement, elle en a gagné dans Twitter. Ah bon, lui c'est une journée congolaise. Que je suis sur Twitter, j'admire son courage, et que ma information sur le Congo, il y a beaucoup de gens qui ont bien que tu es toi et tu as un compte X, dans et tout comme ça. Mais tu as 4-5 ans de journaliste, au Baron parce que, comme un point focal en Afrique, surtout pour un événement. Alors après, ça n'a pas été un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as mais non, papa va bien avec Naï, il y a des plaintes mort au boyer, il y a un boyer qui est au tribunal. Donc, un truc où vraiment à dormir debout. Oh, bah, ça qui est un boyer, 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 dans un avocat, boyer, un truc. Et puis, bah, je n'ai pas eu tout ce temps où vous voyagez à Gaona. Moi, je dis, mais tout ce temps où vous voyagez à l'aéroport, on a la mona à la terre, on a la terre, on a la terre, on a la terre, on a la reportage, on a la terre, on a la terre. Mais quand j'ai appris que c'était un dossier ficelé par une dame qu'on vient d'arrêter à Brazzaville, à la Guinée-Kasi. À l'idée où, comment est-ce qu'on pouvait laisser les monopoles? Il y avait un clan à ma Congolais qui ont le pouvoir sur d'autres Congolais, balobaka sur Congo, balobaka sur Batou, au-delà de nous-mêmes. Donc, Bisso, quand Toloubaka, les gars, font du vote Toloubaka, tout le monde va apatride. Mais il y a un groupuscule, un réseau, il y a des Congolais, des personnes bien identifiées, d'une tribu, excusez-moi pour le dire, bah on a un monopole pour le dire. Bon, j'ai dit une tribu. Tu sais, une personne s'était réveillée un matin, la même dame là, quand on a Brazzaville, à l'oubara quoi, pour voir la bisou, et bah l'ouba. Mon Congo, mon soyez, le Kanga, mon oncle. Yves, bah, Batoming, espace ou anna, bah, sali bisou remarque, bah l'oubi, ça n'engage qu'elle, toti comme ça. Mais oui, maman, Paulette. Pardon, t'as fait ces explications, il faut qu'on comprenne. Batoming, bah, sali n'a répondu, j'en bah l'oubi, bisou, tout ça, koti a bangonio son a sac, moko, et sali malam, mouté, toti ka, moutou, moko, koki, ko engage, espace, c'est une bonne chose, comme il y a des gens qui comprennent. Mais là, traiter cette communication, là, ils ont fragilisé le régime. Pourquoi? On sait que quand Kabila est dans Bokondi, on disait que Kabila est Katangi. Les présidents de la République qui nous dirigent,
Il est d'une zone linguistique, vrai ou faux. Il est castanien. Mais il est congolais, président de tous les Congolais. Nous avons ramené le président de la clivage. Mais malheureusement, fort est de constater, il y a des gens qui se partagent la même zone linguistique dans le président de la République. Bah, comment on se prévaloir la congolité qu'on est bah, Bissot, plus congolais que Bissot. Bah, congolais issu, il y a une zone linguistique Oyo, bah, on partage la même zone linguistique dans le Konzambo Kate. Bah, le baranin, Mouyaka Moko a fini ça. Bayaka moko en dialecte. Malba bangot. Mouyaka moko a fixé bayaka tout. Bayaka nyos en dialecte. Ce que le mouyaka moko a fait le kamoumoko, cela est consécutif. Bazo qu'on rallie tous les bayaka. Parlons peu et parlons vrai. Et bien d'ailleurs, maman Paulette. Est-ce que vous n'avez pas aussi? Quand un bougoumestre d'une commune, yakalam ou s'élève pour dire moulouba il faut dominaka. On a combattu ça. S'il y a des gens qui commencent à comprendre ça, que c'est un discours aujourd'hui où ils ont fragilisé, apprenons les termes de Martin Fayoulou, la cohésion nationale, la paix sociale, ils ont fragmenté les tissus sociaux. C'est des propos séparatistes, xénophobes. Oyo nga noto combattant na libandeli ya pouvoir ya mokonzi ya mboka. Moi je peux pas me donner un martin. Président de la République il part aux élections. Ne me dis pas que quand le président Tshisekedi a été élu, les Arabes qui a tribuné ma votaille. C'est tous les Congolais qui l'ont élu. Ezala bata Katanga, ezala bata Bandundu, ezala bata Équateur, ezala bata Bongo Central, ezala bata Kasaïen, ezala bata Maniema. C'est tous les Congolais. Et cela fait de lui le président de tous les Congolais. Il y a lui avec 73%. 73% n'appartenant à aucune tribu. Azak président va congoler tout. Mais quand on voit des gens qui veulent s'approprier de Tshisekedi, parce qu'ils partagent la même zone linguistique, n'a président de la République, Balimba, zone, c'est la zone linguistique naïe. Est-ce que le discours a beaucoup plus de gros séparé en gros? Mais ah ouais, les lobes à Kangié. C'est là on a milité contre ça. Ce qui batoana bande comme sous babeka que pour vous dire maman Paulette que oh ce soir je suis d'accord. Mais hier c'était pas ça. Hier quand on osait parler, les gens pensaient que non, nous sommes contre nos frères de cette tribu là. Pourtant on évitait ces discours xénophobes séparatistes là. Dieu merci, les gens ont compris. Dieu merci, j'ai compris qu'il y a des gens aujourd'hui qui pratiquaient avec des propos xénophobes, qui divisaient les pays. Il faut éviter ces propos-là. Parce que, Ngano ma Paulette, tu préconises qu'à unité nationale. Ce qui est comme dans beaucoup, il est commis de manière fissurée, séparée. Moulouba boye, Mkongo boye, Mkongo boye. On va se dire comment? Et pourquoi nous apporter ces discours-là, maman Paulette? Parce que dans ma famille, Nabisso, nous sommes mariés avec toutes les tribus. La famille n'a eu un Moulouba. La famille n'a eu un Moutouya Maniema. Maniema, Lokele. Oza Lokele. Tu vois, on fait. Dans ces fourre-tout-là, on fait un. Moi, dans ma famille, j'ai un Moulouba. Tout ça, on a entre tribus dans nos familles. Moi, je suis du Congo central. Mais nous avons le Congo central. À quoi la Kasaïen? Mais Bandawana, qui sont nés d'une mixture venant des deux tribus, Tombo Yabango? Tombo Yabango, ce sont nos enfants. Autant qu'ils sont une partie Congo central, ils sont une partie Kasaïen. Autant qu'aussi Maniema, autant qu'aussi Katangé. Parce que, étant que Congolais, dans cette diversité de la nationalité congolaise, nous sommes mariés entre tribus. Et quand on apporte des discours xénophobes, séparatistes, ça tue l'unité nationale. Ah ouais, les gens qui ont joué, les gens qui ont joué, les gens qui ont joué, tous les gens qui ont information, les gens qui ont joué, tout comme on a dit, les gens qui ont joué, les gens qui ont joué, mais les gens qui ont joué, pour moi, je vais prononcer en côté YouTube, pour qu'ils peut-être qu'ils sanctionnent, les gens qui ont joué, pour moi, qui, à part Jacques Ndala, à tanguer les sous-sous, moto, il y a francophonie, ou à Simba qui est francophonie, monsieur Isidore, Kwanja. Bon,
Naza ko comprendre te faisait-elle partie des services? Comment elle était au courant? Il y a makambo nyoso wana na document à l'appui. Ba détail nyoso za ko pesa. Ngana ngina tuna yo zali muta ba câble na biki yo lukaka. Est-ce que faisait-elle partie de l'année? Mais madame, c'est la grande question que les gens madame, se posent. Quand elle sort madame arrêtée à Brazzaville. Ce qui a mis ma pareil propos concernant un service de renseignement. C'est que ne peut sortir que pareille information. Ils ont moto qui fait partie des services de renseignement. Encore que c'est grave. Quand on dit un service de renseignement, c'est un service d'intelligence. Ce n'est pas la bec là qui doit parler à tout moment. Ce n'est pas la bouche qui doit parler à tout moment. C'est un service d'intelligence. Tu sais que j'ai parlé avec des gens en Europe. Napoto, les gens me disent que les services de renseignement français, belges, allemands font des choses pires que les services de renseignement africains. Bon, il va raté. Un agent secret, il va en France, Napoto est en France, quel que soit son rôle. Quel que soit son rôle. Tu sauras où il va être. Mais dites-nous, la dame qu'on a arrêtée à Brazzaville, on appelle ça le pouvoir. Elle est à la télévision, à fin à combattre. Cette latitude, cette injure, insulte facile. Et nos autorités, pendant un moment, ne faisaient rien, se taisaient. Il fallait que Batouma Soussou, Bazala ka lésé. Clameur public et l'équipe malou. Clameur public. Mais les ministères publics ne faisaient rien. Restaient à fond. Mais tu sais, nana yo, malamor convocation. Et ça me moula pendant des jours, des années, des heures, des semaines, des mois. Des gens ont été lésés. Versé ma propre mon amour sur Anna. Pas seulement sur le plan dans l'opinion. Même du camp à Union Sacrée. Mais il fallait faire quoi? Ce qu'elle a dit sur Jacinda là, ce n'est pas un Congolais lambda qui peut le dire. C'est seulement Moutoyo qui est dans les services, qui travaille pour les services et avec les services. Pour Mama Kambouana, jusqu'à aller et pas Isidore Kouadja. Donc ce que la dame a dit, c'est dans ma propos naïe. On veut nous faire comprendre que c'est des méthodes rétrogrades. On est au combattant sous Mobutu. Sous Kabila. Sous Kabila. Mais malheureusement que les partis ayant milité pour la démocratie remet surface, fait renaître. Bakanga Mobutu, place Azali et Ebanité, famille Naïbana Sangounaïté, portée disparue. Je parle des cas de Daniel Savou ici. Si le loto, quoi, il place Azali et Ibanite. Mais cette qui est une famille et Ibanite. Cette qui est une année. Pourquoi? Parce que Makala, parce que ils ont continué à se Makala. Pour protéger, conserver, bâtir dans Makala année. C'est là où je dis non. Les présents qui ont besoin de Kanga qui va cacher année. Ça signifie que Makacho est à sauter. Pourquoi les retenir 7 gouttes à l'année? Bonjour, vous savez que j'étais dans la résidence surveillée à Okimbaté. Malgré l'appartement Moro Bouyouana, les agents de l'ANR servent l'endroit, surveillent l'endroit. Sa femme vient, ses enfants viennent. Comme les justiciables, n'a pas que près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, les rares de fois que je suis dans la poussée naïe, ma bengi a pris à Sambi à Zombi. Parce que ça nous a été dit que tous les cachots clandestins ont été fermés à l'ANR. Kikou fait quoi à l'ANR? Bah, tu as raison, souviens. Les méthodes que nous avons connues sous le temps du temps de Kabila, du temps de Mobutu, c'est des méthodes que nous sommes en train de voir parlant des propos, des révélations faites par la dame arrêtée à Brazzaville, qui nous dit que Jacques Dalla aurait soit, avait été sodomisé à l'ANR. Madame, est-ce que c'est comme ça qu'un service d'intelligence peut s'est comporté, Mokangi Moutou, m'a maltraité psychologiquement, m'a sodomisé
Et c'est ça l'image. On parle de Jacques Ndala, on parle d'Isidore Kouandja. Peut-être que ce sera plus les Congolais qui ont subi ça. Mais Jacques vous a dit que s'il portait plainte, et vous en avez fini. Jacques était content qu'il m'a aidé. Il a subi cette attaque. Pour un homme, ce n'est pas facile. Même pour une femme. Il a pris le courage. Jacques ne voulait pas parce que. Mais il faut le remercier. Il a pris le courage pour le dire. Ça peut séparer son foyer. Il voulait même que l'enfant n'a pas son bien été. Maman, ça peut être comme la foi. Il a pris le courage. Peut-être que le lobby en haut, on s'est gagné. Mais qui a ouvert la porte? Il y a ma Kambouana. C'est la dame là où quelqu'un n'a pas envie. Ses propos n'ont pas aidé les régimes. Si peut-être ma Kangui va extrader. Pour dire que, regarde, quand on arrête des personnes, t'as un ambassade à Rabango. Et là-bas, entre fait, toi, non? On veut avoir un siège. Il y a droit de l'homme dans les Nations Unies. Le droit de l'homme dans les Nations Unies. Où on arrête les gens. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont. Quand on vous arrête, Sornayo, Yébanité, les cas de Moukébaye, 14 mois, plus de 14 mois en prison, pour des greffes, Yébanité n'a pas pété. Apporter PJA concession plainte. Il y a un voné. Dans le niveau de la cour, dans le conseil supérieur, il y a magistrature. Sur le plan disciplinaire, va vendre les dossiers. Pour que 14 mois en prison. Ça me s'inquiète, ma boîte qui est au pour qu'il puisse pourrir ou quoi, on ne sait pas. Franck Diongo, Vouemba, que j'ai rencontré en Europe, en exil. Jean-Marc Abou, Bakangie, il n'a raison que sa parente à un règlement des comptes. Safou, porté disparu. Militant à Loucha, arrêté. Cette Kikouni, Assama une fois, deux fois, on disait qu'il était introuvable, après clameur, pression, la risque Maman Paulette, on va où? On va où? Toujours que Newapi, c'est quoi la perspective que l'Union sacrée va afficher le Bissot? Pour les pays, est-ce qu'on doit avancer comme ça? N'a pas inquiétude, n'a pas arrestation, n'a pas doute, aux seul, n'a pas moka. On peut avancer comme ça? Moi, je pense non. C'est pas ça un pays. L'essentiel, il y a Mboka. Pour qu'un pays se dise pays, on ne fait pas ça. Pour tout retrouver souveraineté, comme peuple, comme pays, comme nation, on ne fait pas ça. On nous agresse, on récupère nos territoires, on récupère nos villes. Mais nous, là, qu'est-ce qu'on fait? On procède par des arrestations bidons. Des règlements des comptes. Aligné bisoté, aligné bisoté, aligné bisoté, aligné bisoté. On utilise des femmes pour souiller les personnes, ma réputation batte, pour léser les gens. Maman Paulette, ce qui est tout mort, on a un de tout ça, là, tous les jours. Tu sais que les travaux que nous sommes aujourd'hui, ça, là, on commence à faire les travaux à la place des politiciens, la dénonciation. Ce qui n'a eu ma camarade, nous avons courage pour mon côté. Ça va être pire. Ça va être pire, maman Paulette. Parce que des fois, l'Union sacrée recule. Maman va être Bouya va dénoncer, Paulette va dénoncer, Louis-France va dénoncer, Peter va dénoncer, Izuba, Lokala, un tel, va dénoncer. Mais bon, ça fait déjà Nenbasi va porter une autre plainte. Donc, c'est comme un humain. Dossier au Bino Bossara qui wana contre M. Bumba, gouverneur de la ville.
est-ce que vous comptez qu'il est vraiment en profondeur? Vous avez la preuve. Maman, Patrick Local, la Simon Isaac, on a loué Jésus Belédoupé. Yépé, on va la plainte. Yépé. Oh, et ça, groupe, on a pas mis. La monnaie, mais médine, vous allez tout à tabac. Ah, ok. Ton ministre va document sur les bons et trésorerie, les bons d'engagement. Un bon d'engagement vaut décaissement des fonds. Bah, le pas forcément. Non, non, non. Quand c'est signé, c'est qu'un bon, mais c'est pas pour vous en bon à mon sort. Ah, ce qui va signer, fait mal. Nous, t'as signé qui bon d'engagement, c'est Pius Papi Kandolo. L'ancien ministre des budgets sous Ngobila. Ok. C'était pourquoi la ventilation à bon engagement avec Nini. C'était l'institut qui disait que non, frais alloués, il y a un cabinet sortant, il y a un gouvernement provincial passé, mais il y a Ngobila. Trois bons d'engagement ont été signés. Il y a mois de mai, il y a mois de juin, puis il y a mois de juillet. Certes, c'est que vrai, gouverneur a foutu ma personnel sortant, moi, mon con. Ni balété. Les bons de l'engagement qui ont été signés, c'est signé par les ministres des budgets provinciaux. Ou à cela, remise et reprise, n'a Jésus Noël chéqué. Et bien, document à trésorerie, hôtel des villes, avec intitulé, caché sec, tout. Beaucoup de gens sont mais là, c'est l'investigation. N'a bengi batoua gouvernement provincial sortant, n'a bengi bango, trois bons d'engagement ont été signés. Est-ce que vous avez besoin de trois bons d'engagement? T'es toujours car à moi, mon con. Alors, il y a deux mois, les Arabes. Pourtant, moi, le bon engagement, tu publies qu'il s'agit du mois de mai, il y a le mois de juillet, il y a le mois de juin, il y a le mois de juillet. Si quoi, moi, mon grand besoin, deux mois, besoin, on était pourquoi? Autre chose, c'est là. Maman, peut-être, il y a gouverneur. Peut-être, il y a bien. Après, on portait une super plainte, un bon engagement à Foutaka. À porter plainte par rapport à. Peut-être, c'est ça pour l'amour à Foutaka. Mais il y a eu trois bons engagements qui ont été signés. Mais si on fout, on a trois bons engagements. Il fallait mouto afouta balou zagi Ngobila. Mais quand Ngobila Mbima qui déjà écoutait ça pour ma gouverneur, il assume l'actif. Et le passif. Et le passif. On a de quoi appeler mon bon, mon dans le paiement, mon bon, tout sortant. Il y a personne sortant, il y a boulot provincial. Mais les deux mois, le bon engagement signé en là, elle m'a sorti bon. Sinon, c'est pour moi les problèmes. Papa Daniel Mbumba, qui n'a aucune perspective, il y a vie, les noms. A je reporté mes plaintes. Mais là, il y a déjà dossier à niveau de la justice. J'ai un grand respect pour la décision pour cannabis. Mais ça, on respecte à toi. Notamment pour la justice de mon pays. Je ne peux pas me mettre à commenter un dossier qui est déjà fixé au niveau de la justice. J'observe, j'attends, je croise les doigts. Ce qui est convocation, il y a, maman, pour l'aide dans mon kende. Moi, dans mon venant, il y a une inquiétude. C'est quoi un humain qui est demain, il est appelé à mourir. C'est comme je vis aussi au Congo. Mais nous sommes des détenus libres. Par nos courages que nous prenons en dénonçant le mal, la mauvaise gestion, la corruption, le clientélisme, les deals, les copes qui s'effectuent au détriment du peuple congolais. Et quel est ce dirigeant? Trempé dans la mafia, dans le clientélisme, le tribalisme, dans la corruption. C'est ce que nous faisons. On gêne et on dérange. C'est pour ça que moi, Yves Bouya, je me considère toujours comme un détenu libre. À tout moment, je suis en train de À tout moment, parce qu'on dérange. On a apporté du changement, maman Paulette. Il ne faut pas dire que le travail que nous faisons, nous prêchons dans les déserts, non. Les forces obscures savent qu'il y a des pesanteurs aussi, parce que ça me soucie. Il y a des gens qui composent un acte illégal. Il y a des gens qui vont dénoncer et qui s'amusent. Mais l'Union Sacrétaire des Arabes au Condi, il pensera que sa gestion allait passer comme une lettre à la poste. Que tu vas te dénoncer, on n'allait pas dénoncer, tout allait passer normal et tout comme ça. Mais il y a un groupe de Congolais, ils sont journalistes. Ils ont la politicien, ils ont la activiste de la société civile, ils ont la bataille de force. Non, 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 non.
Les pays ne doivent pas avancer comme ça, dans cette direction. Et ce groupe de Congolais qui dénonce, que ce soit politique, journaliste, acteurs de la société civile, activistes, mouvements citoyens, sont dans les viseurs. Ils sont dans les viseurs. Souba Kangama, te faire taire, ben non. Mais malheureusement, ma Paulette, ils ont beaucoup à la biche. Personne, moi je ne suis pas belge, je ne suis pas français. Je me sens très à l'aise dans mon pays. Et je me sens mieux au Congo. Malgré ma passe difficulté au Congo. Mais tout ça pour informer les Congolais. Mais quand je rentre dans mon pays, je me dis ça c'est mon pays. Et je ne peux pas accepter qu'une frange, un groupe de gens, ils sont plus congolais que nous. Mais non, ils en moquent à Abisso, c'est notre pays. S'il faut critiquer, on va critiquer. S'il faut dénoncer le mal, on va dénoncer le mal. Parce que ce pays n'appartient à personne, Maman Paulette. Ok. Lumumba fut congolais, il est passé, le Congo est resté. Kasavubu fut congolais, il est passé, le Congo est resté. Mobutu, le roi d'Isaïr, le tout-puissant. Il est où Mobutu aujourd'hui, madame? Il est où? Le Marshall, le tout-puissant. Il est où aujourd'hui? Loin de la terre de ses ancêtres. Parce que, pendant son règne, Mobutu pensait que le Congo était devenu, soit les Zaïre à l'époque, sa propriété privée. Mais avec le temps, seul le temps. Deuxième nom de Dieu. Et le deuxième le nom de Dieu qui s'est rappelé aux humains que le Congo ne t'appartient pas. Le Congo n'est pas ta priorité. C'est la raison pour laquelle je dis, Maman Paulette, ce courage que nous avons toujours porté pour le Congo. Pour dénoncer le mal, quand il faut dire oui. Il faut le dire non, il faut le dire, il faut toujours porter ce courage. Et moi, je le porterai toujours. C'est pour dire aux gens que les arrestations, les intimidations ne vont pas nous inquiéter, ne vont pas nous intimider. Merci. Nous sommes Congolais, c'est pour notre pays. Ceux qui estiment être les puissants d'aujourd'hui, le temps doit les enseigner du temps du maréchal. Il est passé. Les Zaïre est resté. Moïse Laurent Désiré Kabila, il est passé, le Congo est resté. Joseph Kabila Kabange, il est passé, le Congo est resté. Le président de la République passera. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le Congo restera. Passera. Et le Congo restera. Et ça ne sert à rien en chitant. Il y a qu'on yokoula kabatu. Il y a qu'on intimida kabatu. Il y a qu'on finga kabatu. Il y a qu'on muse la kabatu. Il y a qu'on tchabatu en exil. Il y a qu'on remonte à la Congolais entre. Contre et contre eux-mêmes. Il y a quoi utiliser Kabatu, Basmir, Bakasik, Bafinga Kabatu, Bassodomisa Kabatu, Bakabatu illégalement, Bajan ma prison, ma famille sans perspective. Et quand tu prends ça, au Tchamouna Moumoko, c'est l'inquiétude qui aujourd'hui qui plane sur le Grand Congo. Il faut que vous ayez un câble, vous avez un mouton à solo. Toyoki Awa, papa Nabiso, Martin Fayoulou, accueilli na États-Unis d'Amérique, tout le monde peut être accompagné. Na lieutenant, na le plus fidèle, presse Pengé, accueilli Pekouna en États-Unis. Mais Biso, tout à la camingue, les à côté. Toyoki déjà, moi, Brimo, que Bandiko Fouli, Balobi, il y a une rencontre inédite entre les deux Tshisekedistes. Pour que tout le monde puisse être avec Paulette. N'oubliez pas que Martin Fayoulou est un grand tshisekédiste. Le fils spirituel de Ten Tshisekedi. Est-ce que le lot est comme un rapprochement entre les deux fils, le fils biologique et le fils spirituel? Maman Paulette Kimuntu, tu sais, dans le Congo, dans Kinshasa, il n'y a pas un journaliste qui a accompagné Martin Fayoulou. Je suis le seul journaliste qui a porté Fayoulou du moment où il était rejeté. Et c'était peine avec fardeau. Il y a bien au Pakistan, il y a bien au Pakistan. Voilà.
Maman pour dire même vous son. Maintenant quand il fallait bagarre ya teken teken. C'est Bouya qui portait le combat des femmes partout. Et na singla ta mon solo mon côté les meilleurs mon côté. Et je ne mettrai jamais sur la place publique ce que j'ai fait avec Fabien. Là où j'ai été aussi blessé. Je ne le mettrai jamais, je ne le dirai jamais. Par respect à Martin Fayou. Si on a le Miyango, pour dire que nous sommes moi, je suis allé à Kiwana, je suis allé à Maman Sanae. On a encore Polo Polo et Zamabé. Polo Polo et Zamabé. Je le respecte, c'est un grand leader. Mais, et là, on a une clarté. Dans le combat de Martin Fayou, le président élu a une ambiguïté politique. Comment ça, Maman Paulette? J'étais sur le seul journaliste. J'ai dit au président Martin Fayoulou, si aucune élection était, si tu as parti, il n'y a aucun député. Mais ceux qui ont parti, tu te mettras en difficulté. Non, tu n'as aucun député. C'est quoi le combat? Le combat, c'est la vérité des yeux. Il dit, on amène le combat. Sans argent. Le président Martin Fayoulou m'a dit qu'il est présent à Koufana Nouté pour poser des questions. Soit peut-être à Bouya, tu as 5 000 dollars, tu as 1 000 dollars, tu as 2 000 dans un route. Je n'ai jamais eu ça. Mais c'était par conviction en combat et à lui tenir. Et je ne vous épargne des détails. Mais ce que j'ai reçu de lui en prison, ça ne sert à rien. Je ne revendique, je ne réclame aussi rien. Mais j'ai compris qu'il y a ambiguïté pour dire comme tout. Moi, face à l'ambiguïté politique, je quitte. Tu pars pas. Élection Mabé, vous boycottez, au Kenyo Moko, au Bomi Parti, au Zongsi Parti dans l'État unicien avec zéro député. Seul le mot au plané. C'est quoi ta force? Quand elle va plaire, tu as perdu ton pouvoir et opposition. Katumbi a récupéré proprement. Pour répondre à ta question, maman Paulette, tu sais, la question Nayo, il y a une part de vérité. Dans l'opposition, c'est que la configuration politique toi n'en haut. Hein? Oui, mais que c'est l'Amouka qui gère le pays. L'Amouka. L'Amouka peut gérer l'Amouka. Tandis que nous. Tu sais qui dit l'Amouka? Kamere est l'Amouka. Ah, okay. Katumbi est la mouka. Fayoulou est la mouka. Okay. Mouzito est le pouvoir pendant 15 ans même. 15 ans, va tourner autour de ces deux têtes-là. Au moins qu'il ait un troisième larron. C'est cette génération-là où le pouvoir va tourner autour d'eux. J'estime que Fayoulou a compris quelque chose. Il est parti du cas de Katumbi. Il a vu Katumbi travailler avec Tshisekedi. Deux ans après mandat, Katumbi est parti. Il a mené une position farouche à mi deuxième. Et malgré qu'il ait travaillé avec Tshisekedi, il est sorti indemne de l'opinion. Il m'a appelé deuxième élection. Fayoulou troisième. Fayoulou dit, j'ai pas aussi accompagné Tshisekedi. Ceux qui m'ont remercié invité, l'opinion ne va pas me rejeter. Première hypothèse. Okay. C'est là où il a assuré Bino. Cohésion nationale. Okay. Deuxième hypothèse. Fayoulou peut être au courant sans pourtant le confirmer. Il paraîtrait, j'ai les mots conditionnels, qu'il y avait une réunion. Prochain dauphin. Des caciques du régime qui sont pour la plupart partagent la même zone linguistique. Qui se sont dit. On fait donc un mandat d'Abisson, deuxième mandat d'Abisson. Mais, s'il faut partir, laisser les pouvoirs, il y en a beaucoup. Parce que les femmes se soutiennent. Premier schéma, ils vous disent, pas les soignophones. Je les confirme, moi je les mets au conditionnel. Toujours au conditionnel. Au conditionnel. Pourquoi pas les blocs soignophones? Quand on parle du bloc soignophone, on voit d'abord Kabila. Le président de la République, le Black Ibino, l'AFC, c'est lui. Okay.
C'est un danger pour Kabila. Et quand tu vois Kabila, par ricochet, c'est tous les grands leaders de l'Est qui sont de ces blocs soïdophones, aujourd'hui, qui représentent un danger, tout comme une menace pour les pouvoirs actuels, en partant du Kabila. Il faut pouvoir être dans la limite où ? Dans l'Ouest. Kabila fut ancien président de la République, il est de l'Est, bloc soïdophone, ils ont régné. C'est ces blocs-là qui combattent les régimes actuels, par Kabila, donc Tshisekedi à Lumumba, que l'FCC, lui, Nanga, qui menace les régimes, c'est Kabila. Il venait d'être au pouvoir. Les pouvoirs actuels et les pouvoirs sont dans le centre. Mais Kassai est au centre du pays. S'il faut laisser le pouvoir, il faut qu'il y ait dans l'Ouest. À l'Ouest, nous avons quelle idée? Bemba, Fayulu. Bemba avec Tshisekedi. Avec Tshisekedi. Ah, en opposition. Ah, quand Fayulu, hein? Il n'y a que lui. Bemba avec Tshisekedi. Il avait Tshisekedi. Si la carte de l'Union sacrée ne passait pas, il faut trouver le plan B. L'Ouest. Et qui est ce leader qui s'affiche en leader de l'Ouest, qui est dans l'opposition, dans la résistance? Fayulu et Mouzito. Non, quand on parle Mouzito aussi, oui, il a la résistance, mais en termes de calibre politique. C'est Fayulu. En termes de calibre politique, c'est Fayulu. Et c'est la carte qui est Fayulu. Comme il avait fait ça aux élections. Il a joué un rôle aux élections. C'est de disperser les voix de l'opposition. Il a été le catalyseur de l'opposition. À Kabouli Mukwege, à Kabouli Katumbi. C'est le rôle qu'il a joué. Il ne fallait pas laisser à Mukwege et à Katumbi. Mais non! Mauvais calcul de la part des Fayulu. Les contextes politiques. Au limite, cohésion nationale. Donc, ça, on en a. Il y a une cohésion nationale. Tu vas prêcher par l'exemple. Bon, le Bénin a que non, depuis le congrès, depuis les conclaves, il y a parti, pour la cohésion nationale. Depuis que tu as un congrès, un conseil à parti, comme les gens de l'ICD me disent, je suis d'accord avec eux, mais qu'est-ce qui a été fait en termes de faisabilité? Il fallait, Akende avec vers Kabila, vers Katumbi, vers tous ces grands leaders majeurs du pays. Ça a été fait. Non. Il n'est pas parti. J'aurais dû comprendre. Ce qu'il faut aller au Baka. On veut la cohésion nationale. Ce qu'il n'a déjà pas Kabila. Kabila est secrétaire général ici, c'est Chadari. Katumbi est secrétaire général ici, Boulengeteng. C'est ça qu'un secrétaire général ici, parti des Aïe. Matata est secrétaire général ici. Kaboun est secrétaire général ici. C'est ça que son parti fonctionne. Diom, son parti fonctionne. Si Fayulu, à Kendaka déjà, en faisant la démarche, il peut pas leader cité si Kabila, Katumbi, Matata, Sesanga, Diongo, Vwemba, Kaboum. A contacta Kabango. A solara Bango na Bango. Baba que non, on veut la cohésion nationale. Lui le disait, on était d'accord. Mais Fayulu le dit. Sans pourtant mener une démarche en concernant les autres, on veut une cohésion nationale. De lui ou de l'opposition. Tu vois la nuance? Est-ce que le pouvoir a besoin de cohésion nationale? D'abord, ce que Fayulu fait, Fayulu force la main du régime. Pourquoi? Quelle est la contrainte s'il n'y a pas de ces discussions sur la cohésion nationale? Quel est le rapport des forces? Toutes les négociations, discussions, quand un dirigeant est en difficulté, c'est lui qui va vers l'autre. Tous les dialogues que nous avons connus, c'est toujours le pouvoir. Le pouvoir qui va vers Kabila, c'est lui qui est allé vers l'opposition. C'est en temps en difficulté. Mais tu sais qu'il est là, il a la plénitude du pouvoir. Il règne à maître. Il a les institutions, il est majoritaire partout. Il nomme, il révoque. Dites-nous. C'est quoi la contrainte? C'est quoi les rapports des forces? Ça veut dire qu'il faut une force là, mais. Vous voyez Tshisekedi dans la minute où il est à 4 années, deuxième mandat, dans le dernier mandat. Au début, il y a failli dans la gestion. Toi, Fayulu, tu viens, cohésion nationale. Quand tu viens, cohésion nationale, il y a failli la gestion actuelle.
Tu veux faire quoi? Tu veux partager ça avec lui? Tu veux porter ça avec lui? Parce que hier, Fayulu avait dit que tu serais des patins. Il disait que tu serais qu'il fait balkaniser les pays. Sauf que aujourd'hui, tu serais qu'il fait Fayulu veut s'associer avec lui pour poursuivre la balkanisation. Et dis-moi, maman Paulette, cette mixture politique, Fayulu, Tshisekedi, ça va résoudre quel problème du Congo? J'ai posé la question, il pas m'a décidé. Ça va résoudre quel problème? Oh, guerre dans l'Est. La guerre dans l'Est, c'est question de volonté politique. On a connu VPM et la défense ici, Jean-Pierre Bemba, qui a goûté la qui fait la rébellion, c'est Mandoki. À cette guerre en haut, à quoi faut-il rien? S'il faut à ça, les cohabitations politiques dans Katna, dans Tshisekedi. Et vous avez pas Congolais? Congolais, Congolais, qu'on met là-bas, transport, banni. Que Fayulu soit clair, n'a essayé d'aller dans le peuple congolais. Prendre du courage, dire aux Congolais qu'on veut aussi notre part du gâteau. On veut nous parler de la cohésion. Si se mettait ensemble, et aussi ça, qu'on les Congolais, malnutrition, qu'on s'en a maï, qu'on s'en a courant, insécurité, qu'on a un paiement. Et puis l'opposition, quand elle s'est réunie, c'est toujours dans son ensemble. L'histoire politique du Congo nous renseigne à chaque fois que le Congo, l'opposition va en discussion, en dialogue, c'est toujours ensemble. Ensemble. Genève, Genève. En réunion, et puis lever le terme de référence pour aller vers le pouvoir. Vous allez avec qui? Fayulu aura voté Katumbité, aura voté Kabilaté, aura voté Sesangaté, aura voté Matatate, aura voté Vouembaté, Diomoté. Tu joues un jeu! C'est quel jeu? Et ni moi, le contexte politique, maman Paulette. Vous voyez, tu sais qu'il est là, cohésion nationale, a disloqué gouvernement. Toi, Assemblée nationale. Toi, Assemblée nationale, profite de Fayulu. Qui n'est pas une menace politique pour lui. Vous voyez, tu sais qu'il est fait? A disloqué gouvernement, à la limite le gouvernement. Pour. À quoi ça va décider? À quoi ça va décider? Pour un Fayulu qui ne représente pas une menace pour lui. Fayulu n'est pas une menace pour le pouvoir de Tshisekedi. Il en était en 2018. Mais là, il n'en est plus. La preuve a mis troisième aux élections. La menace pour le pouvoir de Tshisekedi, c'est Kabila. Même pas Katumbi. Katumbi un peu, pour son réseau. Pour son réseau, c'est Kabila. Parce que Tshisekedi, tant à sa conférence à Bruxelles, avec Oussako Eno, il avait déjà lui-même établi sa menace. L'AFC, c'est Kabila. Nanga est une menace pour les pouvoirs. Ça vous occupe des zones du pays. Nanga, si de dialoguer avec Tshisekedi, ça pouvait tenir. Parce que Nanga, il y aura une contrepartie. Oui, bah, c'est pas condamné, c'est un peu difficile. Hein? Ben ouais, mais il avance. Il a encore nos territoires. Entre ses mains. Il est à quelque part à Berloubé, Roubé, au toit français, Berbaboutembo. On fait quoi? Il avance. C'est là où je dis, Fayulu n'est pas une menace. Ça sera quoi la contrainte des rapports de force? Je vois pas Tshisekedi, dans la minute, Oyo, là. À Panza, à Lungla Souminoa, pour laisser place à Martin. Non. À cause de la probable premier ministre. Maman, dans le contexte Oyo, ça sera difficile, ça sera tout cassé. L'élan où Tshisekedi a juste l'élan économique, naïe, il va tout casser. Il va renforcer la crise. Contre Balina, il y a un sacrifice. Bemba, ma Kamere, ma Sam, ma Badi. Ça va encore renforcer la crise. Du moment où Tshisekedi est fragile sur le plan social. Ça sera pour son intérêt de créer encore une autre crise politique, une autre fragilité politique pour intégrer la donne Fayulu. Non, c'est-à-dire que les contextes posent problème. Et pour dire deux. Martin Fayulu, tu sais que nous étions occupés aux États-Unis. Qui a conseillé Fayulu comme ça? Même si c'est faux, qu'à côté de la sécurité, ça sonne déjà mal sur le plein de nuances. Qui peut-être beaucoup de temps. Donc, et si nous sommes à la présence claire, Batika ko attaquer, Batika ko finanga. Tu as libre l'opinion. C'est la démocratie, il faut qu'on dise. C'est la démocratie. Ah oui. Et comme on l'a qui paye Yves Bouya, c'est quand je leur dis, quand j'ai parlé de Martin Fayulu. Qui payait Yves Bouya? Qui me payait?
Qui me paye? Donc, décidé, Ezala, clair, envers le peuple congolais, Baluma, peut-être, sans pourtant les convaincre. Beaucoup me disent dans ici, que Yves Bouya tout le monde a besoin de Zala. Beaucoup me disent, bon, l'élection n'est gagnée. Bah, quelle élection était? Ils n'ont pas d'argent. Beaucoup me le disent. On est, bon, dans ici, beaucoup me le disent, Bouya, tu as raison, dans ici, tu as raison. Mais on ne peut pas s'afficher. On a 10 ans battu la campagne. Mais est-ce qu'on va devoir avancer comme ça? On doit se réquiver, il faut vivre parce que n'avoir pas passé et bon, bisou. Ça, je dis à Lécidé, arrêtez de tromper les gens avec ces discours ambigus qui s'apparentent à une escroquerie politique de ni Ketoli ni cohésion nationale. Une cohésion nationale, si Tshisekedi fallut le parti de lui-même avec Tshisekedi, ça ne va pas résoudre la crise. Ça sera un monologue. Si fallut le réussir, il doit savoir convaincre tout le monde, amener tout le monde. Maintenant, c'est à se demander. Est-ce que Fayou va réussir? Fayou veut les faire, va les faire. Parce que Fayou se considère comme tu sais qu'il dit. Papa. Qui était immunisé. Mais Fayou n'est pas immunisé politiquement. C'est bourde politique. C'est pas tout le Congolais qui accepte ça. À la différence, papa, tu sais qu'il a fait aussi des bourdes politiques. Mais qui ont le Congolais à grandi. Si à qui nous prêter serment dans Dakounaï, c'était une boule politique, ton niveau d'abuso. Parce que papa qui s'est dit ton immunisaïe, ma belle est tout au moment où on se soutient. Mais ce n'est pas le cas de Fayoulou. Pour avoir Tshisekedi dans mon papa, il nous faut encore 25 ans, 15 années. Fayoulou pense que ce sera le lobby de tout le monde. Comme le disait papa Tshisekedi, non. Il n'a pas encore atteint cette dimension. Je lui dis, j'appelle à coopérer. Si il y a un deal, il y a Yemoko, on n'ira pas dans la cohésion nationale. On dira dans un deal où il faut récompenser. Certes, tu as raison, tu as raison, tu dis vrai. Fayoulou est de la maison. Fayoulou connaît la famille Tshisekedi. Fayoulou, c'est le seul opposant qui, des fois, moi, j'ai l'expérience, quand papa Tshisekedi s'opposait à un schéma, c'était le seul opposant qui entrait à, Tshisekedi, à la maison à l'imité. Il parlait à papa Tshisekedi. Tshisekedi a expliqué, a convaincu et a démis. Fayoulou, avec l'actuel président Tshisekedi, Tshilombo, c'est deux fils d'un même père, comme Olobeliango. Un fils spirituel et un fils biologique. Fayoulou se considère comme le fils spirituel de papa Tshisekedi. Par tout ce qu'il a, il a essayé de l'UDPS. C'est pour ça que l'UDPS, à un moment, elle n'a pas été. Elle n'a pas été. Parce que tout ce qu'elle fait, la zone, Rouban, à la balabala, qui te tutait, ce côté le mara, c'est l'esprit UDPS. Et il dépense des fois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'à côté de la limite, il y a ma mère, il y a papa, tu sais. Il connaît la famille. Il connaît bien Tshisekedi. Et Tshisekedi, s'il faut coopérer, c'est ça mieux avec Fayou, qui est Bemba, qui l'a connu dans la Mouka, à peine, qui est Mouzitu, qui l'a connu à peine, qui est Katumbi, qui l'a connu dans la Marée Rébellion, mais qui n'a pas cousu. Si c'est une direction, des liens directs avec Fayoulou dans l'opposition. Mais Fayoulou, je vous fais, d'après plusieurs sources, hein, beaucoup de vues d'opposition, quand on a lutté à rassemblement, les présents, par respect, hein, il est bien indiqué, le président de la République, a bien Martin Fayoulou, grand frère. Grand frère, ah, grand frère, grand frère, grand frère, grand frère. Donc, est-ce que ce n'est pas ça? Fayoulou comprend que c'est la Mouka, Fayoulou comprend que je veux composer, je suis fils maison. C'est beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais je vais dire ici aux gens que les idées, ils ont la vraie nabato. Si vous avez dit que 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 élection. Avez dit que vous que non, ceux qui que vous avez dit que vous avez la cohésion nationale, ça c'est des mensonges. La cohésion nationale, ceux qui s'associent à Tshisekedi et Fayoulou, ça ne va pas résoudre le problème des Congolais. Parce que tous les leaders politiques qui ont dit ça, tous les leaders politiques qui ont dit ça, que tout ça n'a pas l'intérêt au peuple congolais, et ça ne va jamais bon. Union sacrée. Quand Bemba était parti, on m'a dit, je veux que les Congolais se mettent ensemble pour le terrain des Congolais, pour ne pas faire les Congolais bon. Depuis que Bemba, par contre, union sacrée, même les Congolais bon. Et c'est le discours que Fayoulou veut nous amener en nous bluffant. Pour nous dire, c'est ok, Kouna, c'est pour l'intérêt congolais. Pourtant, ça sera que pour l'intérêt de l'SID. Merci. Tôt, en seulement deux minutes par rapport à UNPC,
élection salami, congrès salami, en vraiment quelques poussières de seconde, va retomber. Est-ce que au CPLI, il y a une élection, Ndenge, elle est qui? Ça CPLI, il y a élection, moi-même, j'ai un congressiste, dans point mon corps, sur les textes. Okay. On a adopté un texte, Yamakasi. Gabo, on a siégé de la commission, la statut. On a renforcé ma texte, Nabiso. Dorénavant, sous un membre à Union. Pourquoi je dis membre à Union? Union, ils ont mis Asbel dans la région libre. Okay. Bientôt, au commissaire, je prends dans la jour, il y a une organisation bien structurée. Okay. Et au commissaire, si tu es journaliste, il faut ça là, la carte na yo. Okay. Bah, on peut sur un numéro à vie. Ah, ok. Si tu es au Koufa. Mais pour le numéro à vie, là, il faut passer par les cotisations. La cotisation est commis dogme. Obligatoire. Obligatoire. Ok. Si on cotisait pendant 1, 3, 4 mois, 6 mois, bah, le mot est aux cartes. Voilà. Bah, retire aux cartes. Vraiment, bah, ça n'a pas. Donc, bien sûr, il faut trop cotiser pour sa carte. Il faut cotiser la carte. Voilà, la carte, il bah, y a carte. Il n'exerce plus. Bah, ça fait compliqué. On ne reconnaît plus cette dame comme journaliste. Il y a l'Union. Okay. L'Union est la seule structure au gouvernement. Il y a un régime, il y a le gouvernement, il y a le pouvoir, il y a le parapage. Et puis, ça y est, ordonnance, loi. Vous pensez ma prérogative. Voilà. Okay. Ça, je suis d'accord pour le texte, okay. Bien qu'on est en vigueur et qu'on est opposable à tous. Là où je n'ai pas aimé le choix des camandas, je vais faire un choix autour des camandas. C'est un aîné, c'est un grand frère, c'est un papa, je vais les juger à l'œuvre. Il y a une équipe naïe. Mais là où je n'ai pas été d'accord, ça serait, c'était les travaux dans, au niveau de l'Assemblée plénière. J'ai vu la même mise en comité scientifique qui, quand chapeauté par Séverin Bamani, au moment de la communauté scientifique, tu as un comité préparatoire et un congrès, ça devait se dissoudre. Je peux aussi comprendre l'éthique à la cas que tant que les gens qui testent, ils m'appellent sur moi en commission, tout l'état qui y a, il fallait souvent en plaidoyer adopter mon abamo. Et puis, il s'est retiré. Mais le comité scientifique est resté jusqu'à l'organisation des élections. C'est vrai, Bamani. Jusqu'à prendre les prérogatives du bureau d'âge. Conduit par Kibambi chez toi. Voyez un peu. C'est un comité scientifique. Quand les bureaux sortants s'étaient déportés, qui étaient animés par le deuxième vice-président, il faut tout dire qu'un bureau d'âge, et ça, ma élection d'amour. Mais on a vu les bureaux scientifiques conduits par Séverin Bamani. Nous conduisons les élections, pourtant il y avait un bureau d'âge chapeauté, soit sous la maestria de Kibambi chez toi. Et ça, moi, je n'avais pas aimé. Avec d'autres confrères. Je m'étais levé dans la salle, séance tenante, pour m'opposer au bureau, au comité scientifique. Pour dire, vous devez quitter la salle parce que votre rôle est terminé. J'avais pas compris cette persistance, on dirait que ça avait une mission spécifique. Je vais me rappeler les doyens qui m'ont mis chez toi. Je dis, mes grands frères, papa, confrères, comment est-ce qu'on vous dit, on vous vole vos prérogatives et vous observez? Donc, c'était ça la beauté de ces congrès. Au finish, nous avons eu ce comité avec Kamanda comme premier vice-président, premier vice-président qui est bas, c'est deuxième vice-présidente, c'est la situation de Madame Mariam, Rachel Kitita qui est entrée. On a un poste à trésorerie adjoint pour les sectionnaires et un secrétaire général, Jésbien, qui est rentré. Moi, j'attends. Dès qu'ils vont mal travailler, nous aurons la critique. Pour dire que ce bureau-là est badi ma paix. Parce que moi, je suis allé à Batouana pour mesurer la presse. Non, 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 non. Maman Paulette, je vais maman couper. Ce qui m'a bandi Karabouzou, là, j'étais encore ma langue. Je refuse de parler. Parce que, je continue à me salater. Mais ce qui m'a couper pour ça, maman nous salater. Bandi qu'au point d'acabat, qu'au musée les bateaux, je pense que je reviendrai à la tâche beaucoup. Pour dire, maman Paulette, il faut s'en prendre à ces bio. Merci Yves Bouya, en tout cas, merci beaucoup que Yves Bouya a vraiment parlé avec vraiment ses tripes, permettez l'expression, à Pessibino, Penza Makantinaïe. Donc, beaucoup de bon s'abonner massivement dans la Lyon TV officielle, Vision 26, merci. Excusez-moi, Bissot, pour ma condition, tout ça, les limousala, mais Bissot, l'inga moussala, n'a pas encore côté qu'à Yves Bouya, tel les caboué. Tout se débrouiller quand un plateau comme ça. Donc, l'autilie qui est alité, tout ça, il y a un n'engouana, mais l'essentiel est que le message passe. Boyoka, makanisia moi la mboka. Donc, merci Nabino, petoko moi Nabino, balasima.